Les femmes des marchés de Saint-Michel, Ologadé et Bégamé dans le département du littoral font partie des premières bénéficiaires des sacs biodégradables, un don du préfet Modeste Toboula grâce à l'ONG Bénéville Propre. C'est d'informer les populations sur la gravité de l'utilisation des sachets, non seulement sur la santé publique, mais aussi sur l'environnement. Nous avons, par le biais de l'ONG Bénéville Propre, nous avons pu confectionner des sacs biodégradables. Nous sommes venus avec beaucoup d'exemplaires en signe de dons pour qu'elles utilisent pour voir si les fonctions que les sachets plastiques jouaient, si ces emballages aussi ne le jouent pas. J'ai dit aux bonnes dames qu'elles peuvent acheter les couvertures kaki et en faire des petits sacs et donner. J'ai dit qu'on peut utiliser les emballages de ciment bien nettoyés, bien désinfectés, pour vendre. Selon le président de l'ONG, Alain Adjibadé, ce geste de remise de sacs bio s'inscrit dans le cadre du PAG pour l'assainissement de la ville. C'est un don gratuit que nous offrons à nos mamans, à nos sœurs au marché, pour qu'ils puissent l'utiliser et voir l'habitude aussi de les utiliser plus tard, comment ils vont les acheter. Donc je pense que nous rentrons dans un cadre d'accompagner l'action du gouvernement et nous allons continuer à lutter toujours pour que le Bénin ait une propriété dans la ville. Les femmes des marchés, quant à elles, expriment d'abord leur gratitude et s'engagent à promouvoir désormais l'utilisation des sachets plastiques biodégradables. Nous sommes très heureuses de ce don, car les sachets plastiques non bio ont des effets néfastes sur notre santé et sur l'environnement. Et comme le président a promulgué la loi interdisant l'utilisation de ces sachets, nous sommes prêtes à respecter la décision du chef de l'État. Nous allons toutes abandonner les sachets plastiques non bio. Une satisfaction que partage le préfet du littoral. Je pense que c'est une action que nous allons répéter pour que nous puissions ensemble construire un cadre de vie meilleur. Je suis venu leur expliquer que l'interdiction de l'utilisation de la détention des sachets plastiques n'est pas une décision politique. C'est une décision qui rentre dans le cadre du bien-être de la population. Donc, je suis heureux de constater que les femmes ont compris le message et ont fait la promesse de s'exécuter.